Célèbre. Je reviens avec une idée de jeu de domino, et cette fois-ci pour l'apprentissage de la langue arabe pour les débutants. Donc, à la base, le jeu de domino, ce sont en fait deux lettres qui se suivent, et en fait, il suffit juste de retrouver en fait les autres lettres et de les assembler les unes à la suite des autres. Ici, en fait, c'est encore un tout petit peu le jeu, c'est-à-dire qu'ici, on va avoir, au lieu d'avoir deux lettres, on va avoir une lettre et à côté une image. Et en fait, le principe, c'est quoi? C'est que pour chaque image, il faut prendre la première lettre du mot. Ici, par exemple, c'est un éléphant, donc c'est elfil. Donc c'est fil, donc c'est la lettre fe. Ici, on a par exemple une voiture, c'est yara, donc c'est sin. Donc en fait, il faut en fait que ça se regroupe comme ça. Voilà, vous avez le signe de Seyara et la lettre sin. Et en fait, vous faites ça en fait avec plusieurs images. Donc le but ici, en fait, c'est de d'aider en fait les personnes, les débutants, les enfants, en fait, à apprendre quelques mots de vocabulaire. Donc c'est à vous de choisir les images. Moi, j'ai choisi des images de base. Et en fait, il faut surtout en fait vous assurer en fait que le mot que vous choisissez, que l'image que vous choisissez, la première lettre du mot en fait correspond. Il faut pas en fait que la lettre, par exemple ici c'est khoubs, donc c'est avec le kha. Le kha il est au début du mot et non pas au milieu ou à la fin. Donc voilà, la difficulté elle est juste dans le fait de trouver en fait des images, des mots en fait, hein, pas trop compliqués pour les enfants. Donc ici Jamel, c'est le chameau, donc c'est la lettre Jim. Donc voilà, donc c'est un jeu plutôt ludique pour apprendre le vocabulaire. Voilà, donc c'était une idée. Si ça vous intéresse, vous retrouverez le template sur le site. Et voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine idée, une prochaine vidéo. Inch'Allah, salam.